Hey, vous savez quoi? On part en week-end! Allez, cette fois-ci, on vous explique. Donc, on est parti pour un grand week-end pour en profiter des petites vacances. On a prévu d'aller à Aix-en-Provence où on va se poser pour visiter un petit peu parce que l'hôtel qu'on a réservé, il se trouve à Oron, c'est ça? Ouais, au rond. À Oron qui est à 40 minutes donc de Aix. Ouais. Et puis après, donc on va dormir à Oron. Donc demain, on va à Saint-Tropez. Lucie est super contente. Elle va faire les magasins. Elle aime bien Saint-Tropez. Et puis, on est un peu dégoûté parce qu'il pleut aujourd'hui. Donc, on va se retrouver avec un petit peu de pluie à Aix. Mais bon, c'est pas bien grave, hein. On va quand même profiter. On a deux, trois choses à voir. Et puis voilà. Bien arrivé à Aix-en-Provence, il pleut, on se console comme on peut. On a fait les magasins et là on se dirige vers la fontaine, très jolie fontaine, je vais vous la montrer tout de suite. Alors comme sur les boutiques ça creuse, il s'est arrêté dans un petit café pour prendre le goûter. Et franchement je vais vous montrer quelque chose. C'est la première fois que je rentre dans un café où il y a une table aussi basse que ça, avec des sièges aussi bas. Franchement je touche les pieds par terre. Ça y est, on est arrivé à l'hôtel. On va commencer à déballer les affaires. On va ranger. Je vous ferai un petit room tour pour voir un petit peu comment la chambre elle est agencée. Et puis après, normalement, on ressort pour aller voir une église pour la visiter. C'est trop sympa cette petite. Franchement, cette petite cour. Ça fait bien vieux, tout en pierre, avec une belle petite fontaine devant, enfin au milieu quoi. Et là, il pourrait presque réceptionner des gens et tout. Putain, franchement, pour un mariage, ce serait cool. Regardez, la fontaine, elle est pas trop mignonne. Voilà, c'est bon, on est bien installé dans la chambre d'hôtel. Par contre, on a vu une chose dans le descriptif de la Wonderbox, c'est que l'église Saint-Michel qu'on voulait visiter, elle se trouve à 1h30 de l'hôtel où on est. Donc du coup, on va pas y aller. Du coup, il est 7h, donc on va aller se restaurer et puis on va aller au McDo.
on se retrouve en cette fin de journée à l'hôtel. Donc, je voulais faire un petit peu le point avec vous. Donc, avec Lucie, ce qu'on a fait, on a décidé de partir pour un long week-end de 4 jours, donc vendredi, samedi, dimanche et lundi, parce que le beau-papa de Lucie nous a offert pour Noël une Wonderbox. Donc, ça nous permettait, c'était une nuit insolite. Et en fait, ça nous permettait d'avoir une nuit dans un hôtel de notre choix. Donc, on avait préféré prendre un hôtel pas très loin du bord de mer. Comme ça nous faisait une petite étape, parce que la route était quand même un petit peu longue. Et ça nous permettait un petit peu de visiter ce qui se faisait aux alentours. Donc, pour l'hôtel, on est au domaine de la Reynaude. Donc, voilà, c'est l'image que vous pouvez voir ici. C'est la fontaine que je vous ai montrée en vidéo tout à l'heure. Donc voilà, c'est très bien, c'est un très bel hôtel. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, on a fait une halte à Aix qui était à donc 40 minutes de l'hôtel où on est actuellement. On avait un petit peu les boules parce qu'il a beaucoup plu. Mais bon, du coup, on a fait les boutiques. Et puis on s'est arrêté prendre un petit chocolat chaud, histoire de prendre un petit 4 heures avant de se rediriger tranquillement vers l'hôtel. Donc, comment ça va se passer au niveau des vlogs de ce séjour? En fait, vous aurez un vlog par jour, mais je n'ai pas le matériel pour le monter sur place. Donc, du coup, je vais vloguer les 4 jours d'affilée et une fois rentré à la maison, je vais vous faire des vlogs, donc coupés sur une journée de chaque. Donc, vous aurez 4 vlogs. Je vais essayer de les mettre en ligne à peu près à 2 jours d'intervalle de chaque. Donc, en gros, pendant une semaine, vous aurez tous les 2 jours donc un vlog donc sur 8 jours. Donc voilà, c'est la fin de ce vlog. On est bien fatigué parce qu'on a eu une grosse journée, on a beaucoup roulé. Donc je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Salut! Elle a rien dit de méchant, elle a rien dit de mal, elle a dit un petit papa. Y a rien de négatif dedans. Et là, la maman, elle m'a répondu, oui, mais moi, c'est comme ça, j'ai pas forcément envie que ma fille pointe du doigt la différence des gens. Je veux lui apprendre.